Mon nom est Gisèle Mouikou et je suis fondatrice et PDG de la société Okapi Finance, qui est une société de fintech suédoise, donc finance et technologie. La société Okapi est en train de s'établir dans plusieurs pays africains. Comme étude, j'ai une maîtrise et aussi un génie civil en informatique. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur de Suède, mais je suis née au Congo. Et pour moi, l'Afrique et le Congo ont toujours fait partie de moi. Et j'aime vraiment mon beau pays. Aujourd'hui, je peux enfin dire qu'Okapi est de retour à la maison. Nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir Madame Gisèle Mouikou dans le cadre du partenariat entre Okapi Finance et le groupe EcoBank. Nous sommes heureux de progresser dans ce partenariat, d'autant plus que c'est une compatriote qui vient de Suède et qui nous ramène ce partenariat important pour l'inclusion financière en RDC. Nos impressions ont été très 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 positives et nous sommes tout simplement impatients de pouvoir démarrer les activités en partenariat avec Okapi Finance. Le nom de l'entreprise Okapi est le nom d'un bel animal qui n'existe qu'au Congo. Quelque part pour moi, c'était un peu une déclaration d'amour pour mon pays. Et aujourd'hui, je me sens vraiment privilégiée et reconnaissante de pouvoir avoir la possibilité d'investir dans mon pays. Donc j'encourage beaucoup Madame Gisèle, je trouve que c'est une solution qui est très bien et très facile, surtout si elle est vulgarisée. Sincèrement, ça va aider la population. Vous savez que l'INSS, nous gérons pratiquement 67 000 retraités. Et si nous parvenons à utiliser cette solution, je crois que ça sera facile pour nous tout d'abord d'avoir les rapports de paiement des prestations sociales et d'atteindre aussi directement nos prestataires. Donc sincèrement, je la félicite. Et je crois que l'INSS, on verra d'abord comment elle va s'y prendre avec cette solution, mais nous sommes quand même partantes par rapport à ça. La mission d'Okapi est l'inclusion financière. 80% de personnes en Afrique et 50% dans le monde sont toujours exclues du système financier. Et pour moi, toutes les personnes devraient avoir accès aux services financiers, peu importe où ils vivent et leur situation financière. Je pourrais dire que mon séjour s'est bien passé. Je me suis vraiment bien sentie. Le résultat des réunions que j'ai eues avec les partenaires ici était très positif. Ici, présentement, vous êtes au sein de notre étude. Nous sommes en association. Nous avons... Notre étude est constituée de 6 avocats
qui chacun a une certaine expérience dans un domaine donné. Les services de l'État actuellement, dans le cadre de l'amélioration des affaires, le guichet unique, je voulais dire, a quand même été assez diligent par rapport à cette procédure. Donc nous avons réuni tous les documents ou tous les éléments qui devaient constituer le dossier. Mon souhait est qu'OCAPI devienne un succès et qu'elle participe activement à l'inclusion financière en RDC, mais aussi en Afrique. Pour terminer, je voudrais dire merci à tous pour avoir rendu mon séjour agréable en RDC. Merci et à bientôt. Au revoir.